Climat politique toujours tendu en Tunisie, où plusieurs responsables de l'opposition ont été arrêtés ou auditionnés au cours des dernières semaines. Parmi eux, Rached Ghannouchi, leader du parti Nahda et ancien chef du Parlement déchu par le président Kais Saied. Il comparaissait ce mardi devant un juge du pôle antiterroriste. Il faisait l'objet d'une plainte l'accusant d'avoir traité des policiers de tyrans. Lui dénonce une instrumentalisation de la justice. Aujourd'hui, nous assistons à une politisation de la justice. Nous appelons le parquet à rester impartial et à appliquer le droit. Nous l'appelons à ne plus accepter d'être au service de calculs politiques en condamnant un parti qu'on n'a pas pu battre à la loyale. Aujourd'hui, ils veulent manipuler la justice pour nous associer à des terroristes avec qui nous n'avons rien à voir. Il est clair que ces procès suivent des directives politiques émanant de l'exécutif, parce que non seulement les mots du chef de l'État mettent la pression sur le pouvoir judiciaire et visent clairement ses adversaires politiques, mais en plus plusieurs procès ont été lancés sur demande directe du ministre de la Justice. Tout ceci indique une ingérence dans les affaires judiciaires et des pressions pour faire taire les adversaires politiques du président. Devant la salle d'audience, le chef de Nahda a été accueilli par une foule de partisans et de sympathisants. Ceux-là qui dénoncent depuis des mois la mainmise du président Kais Saied sur tous les leviers du pouvoir en Tunisie. La bataille en Tunisie est un combat entre la dictature et la démocratie. Aujourd'hui, on sait clairement qui est dans le camp de la Tunisie et de la démocratie et qui soutient le coup d'État et le terrorisme. L'année dernière déjà, Ghannouchi a dû répondre devant la justice d'accusations de blanchiment d'argent et de financement de terroristes tunisiens en Syrie. Jeudi, il doit encore comparaître devant la brigade de recherche et d'investigation de la police pour une autre affaire. Pour lui, tous ces procès qu'il dit montés de toutes pièces ont pour seul but de détourner les regards des vrais problèmes de la Tunisie.